Eh bien, salut à tous, c'est GlacioX. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur New Super Mario Bros. Wii U. Donc, c'est parti. On s'était arrêté où la dernière fois? Ok, donc on venait de finir ce niveau. Et on avait encore notre bébé Yoshi Rose. Ok, donc on est parti. Monde 2. Dune de miel. Sacré Cabroche. C'est parti. Là, on a notre bébé Yoshi. Je sens qu'il va nous être pratique. Surtout, on dirait que ça a l'air d'être un niveau où il faut beaucoup sauter. Donc là, on n'a qu'à voler au-dessus de tout. Pas passer loin, celle-là. Attends, j'aimerais bien savoir si on peut les gober pendant. Oui, on peut les gober pendant le saut, ça c'est assez cool. Des nouvelles boules de feu. Et des plantes piranhas, est-ce qu'on peut les gober aussi? En fait, on peut tout gober avec. C'est le truc qui est interdit dans les châteaux parce que sinon on aurait pu gober Bowser avec. Regardez. Toi, je te gobe. Non, 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 par contre, je te gobe encore. Reste avec moi. Ça, c'est agréable parce que je peux planer du coup. Et ça fait un bon combo. Ouais, ça va être facile, ça. On a presque eu toutes les pièces. Reculer. Ok, nous voilà. La dernière étoile. C'est facile avec le bébé Yoshi. Non, non. Ouais, j'ai perdu le bébé Yoshi. Oh, c'est pas grave, on y retourne et on prend ça. Tout de suite, comme ça, on est bon. On en a eu beaucoup moins qu'avec le bébé Yoshi. J'avais oublié, j'ai plus le bébé Yoshi pour gober tout. Ok, maintenant le but c'est de réussir à sortir d'ici. Vivant. Hop, hop.
Ah oui, donc en fait, j'ai vraiment perdu le bébé Yoshi à la fin. Malheur, 40 ans, voyez mon sac ouvert. En fait, il est vraiment retourné dans le niveau 1, monde 1. Ben, on va vite faire la récupérer. Donc c'est parti, on va choper Carotin maintenant. D'abord privilège, on a encore le temps. Vous allez voir comment je vais rattraper mon. J'avais oublié. Vous allez voir comment je vais rattraper mon retard. Des fois un petit peu de. Je suis tout petit, mais je t'aurai. On l'a eu. On a fini tout petit, mais on l'a eu. Pour ceux qui se demandent ce serait quoi ce gadget qu'on vient d'avoir, c'est juste. Enfin, c'est comme c'est cheaté, c'est un gadget qui nous permet de voler. Vous voyez, quand vous secouez votre manette, je fais un vol vers le haut. Et ben, avec ce gadget, ça me permet de voler à l'infini. Donc, de refaire ce mouvement à l'infini sans avoir à me poser par terre. Donc, c'est assez pratique. On va commencer par. Ah non, j'ai commencé tout petit. Bon, c'est pas grave. Tout feu, tout flamme. Normalement, on récupère un bébé Yoshi ici, mais seulement pour les. Faut être extrêmement prudent. Comme on n'y voit pas grand-chose, il faut soit être très prudent, soit connaître très bien le niveau. Ce qui n'est pas mon cas, je ne connais pas très bien ce niveau-là. Petit peu d'éclairage, ça ferait du bien. Pour des pièces.
Ça m'aurait fait un deuxième Yoshi. On t'attend. Et congèle-toi. On a encore largement le temps. Ok, donc ce tuyau, on ne sait pas l'emprunter. Quelque chose par ici, il n'y avait rien. Une vie en plus, ça fait plaisir. Oh mince, ah c'est pas cool ça. Bon, j'en récupère. Out. Il faut sortir. On va voir. Je pense pas que bébé Yoshi revienne avec nous. Non, ça me rajoute juste une vie. On va faire l'autre niveau maintenant. Epic Poké. Oh non, ça c'est pas cool. Non, ça c'est pas cool. De toute façon, normalement, si je me souviens bien ici, c'est un niveau où on récupère un Yoshi. Toute ta tête. Oh mais attendez, ce serait pas par ici qu'on a un tir de Yoshi. Je sais plus c'est où qu'on l'a. C'est là, je pense. Même pas. Oh, j'ai voulu tenter un move, mais c'est pas passé. Il faut que je fasse attention. Ça peut potentiellement piquer. Ok, donc si c'est pas là, c'est censé être ici. Même pas. On a encore le temps pour faire ce que je... pour vérifier un truc que j'aimerais bien vérifier.
Super, ouais, je l'ai. Toujours bien observer les gens, c'est très important. Pourquoi je sens pas bien? Oh, je suis pas bien, les gens. Oh, je suis pas bien. Peut-être perdre du drapeau en ayant fait ça. On est plutôt bon. D'ailleurs, des trucs qu'on va utiliser tout de suite. Ça va, j'ai encore le drapeau, donc on va les utiliser tous les deux. Regarde-moi comment on va tout gérer. Wow, oh, ça, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu, ça. Non, je sais ce qu'il faut. J'ai fait exprès. Cette fois-ci, parce que je pense avoir compris. Vous allez voir, on va utiliser tous nos objets. Si on va me dire que là maintenant je viens de faire tout ça pour rien, je pense que je peux. Comment on fait pour le passer? Alors, le pire, c'est que j'ai fait tout ça pour rien. Ouais, tu peux bien m'en donner un objet maintenant, vu tout ce que j'ai dépensé. On va devoir l'utiliser maintenant vu qu'on a le château.
Non. Tour mouvante. Ah ouais, je vois. Pourquoi faut se mettre dessus, secouer sa manette pour pouvoir réussir à tout avoir. Là, il nous faut des boules de glace contre eux. Je me souviens que les boules de feu ne marchaient pas très bien. Tandis que des boules de glace. Ça marche très bien, les boules de glace. Bon, eux, ils vont se faire écraser. Donc, il n'y aura plus d'os. Pense avoir servi un petit truc. On va essayer quelque chose. Ça a marché. D'abord, on se débarrasse de lui. Parce que j'aime pas ça. Vraiment ça dans le fond. J'ai une fois essayé sans. C'est pour les boules de glace, mais j'en ai encore, donc ça va. On est plutôt bien là. Je vais essayer de voir s'il n'y avait pas possibilité de le faire tomber dans le sable. Et voilà, c'est comme ça que vous faites pour s'en débarrasser. Plutôt bien, comme ça. Hop là. On va bien voir qu'est-ce que ça donne si j'emprunte un tuyau. Oh, ça fait juste ça. Je pensais qu'avec une petite cinématique, on voyait Mario se faire se cogner ou que je risquais de perdre mon objet de glace. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire cette fois-ci? Ah oui, sauter. Hop là. Oh, stylé ça.
un nuage de ténèbres. Alors déjà, ça vient là. Donc là, je peux te battre assez facilement, quoi. Ok, oublions ce que j'ai dit. Au final, ça a été encore. D'abord, j'aimerais bien une fois aller voir Todd. Mais vas-y, je risque d'en attraper quelqu'un. Ok, on va rester là, on va attendre qu'il tombe. Mais vas-y! Non, faut que j'en... Non, on n'en chope plus aucun. On est bon. Au moins, cette fois-ci, on a gagné quelque chose. On va encore une fois aller voir Todd. Bon là moi juste j'y vais full champ. Non! Dommage. On va commencer par celui-là. Ok, donc là on est sur... Ah oui, je vois. Et en plus, je peux même pas les geler! Mais au moins, je récupère ça. Ça, c'est déjà pas mal. Là, j'ai une idée pour me faciliter la vie. Même si je risque de perdre. Oh. Ok. Oubliez ce que j'ai dit pour le côté me faciliter la vie. J'espère que je vais très vite récupérer un objet. Ah yes! Oh, j'ai cru que j'allais louper. Voilà. Ok. On est bien là. Mais vas-y! On a un checkpoint. Et que je... Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord, je viens de comprendre le truc.
Ok. Mais bien, on les a tous, et dans une pièce, on aurait gagné une vie. Bon, je vais quand même vous faire pour vous montrer le système, pas que ça tombe vers le bas. Ça, c'est bon, bon, pour moi. Alors, regardez, je vais choper une pièce, et on aura une vie. Qu'est-ce que je vous avais dit? On est bon. Des heures ou des heures. Ok. Non, j'ai pas trop envie de boules de glace. Je vais plutôt rester avec ça. Ça m'a l'air d'être un bon gadget pour réussir à finir ce niveau assez facilement. Bon, oubliez ce que j'ai dit pour les boules de glace, c'est très bien. En fait. Ok, d'accord, donc il y avait des trucs de ça, mais maintenant il n'y en a plus. Bon, mon objectif maintenant c'est de réussir à aller jusqu'au checkpoint. Pour moi, c'était un bon passage. D'accord, je comprends mieux pourquoi je me méfiais. C'est moi qui t'aurai cette fois-ci. J'ai un checkpoint, donc tout va bien. Ou pas. Non, il peut. Ok. Ah, yes. C'est pas bon ça. L'essentiel, c'est qu'on a réussi à s'en sortir en vie. J'ai pas vu sur quoi était porté le niveau, mais c'est pas grave. Cette fois-ci, je veux bien des boules de glace, oui, merci. Mais c'est le niveau qui sur lequel j'ai dur, mais en même temps je l'aime bien parce que sur ce niveau on a droit à ces petites beautés.
Bon, on ne sait pas, il y aura accès pendant tout le niveau, malheureusement, mais c'est déjà très très bien. D'accord, donc on y a le droit, le temps de nettoyer plus ou moins. Ça c'est pas cool ça. En plus j'ai rien pour m'agrandir. Vas-y, j'ai rien pour me mettre grand en plus. J'ai même pas fait la moitié. Non, attendez, attendez. Ok les gens, donc j'ai ma petite étoile près de moi. Donc on est reparti. Oh bah on est plutôt bon là. On est tout petit, mais on a réussi à finir. On va essayer de le faire en étant tout petit.
Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Et toi, c'est non mon chat, pour ceux qui savent pas. Aïe, ça fait mal, ça pique. Ça brûle, c'est chaud. C'est encore plus chaud. On va faire un essai. On va y arriver. Donc là, patience, et normalement tout devrait bien se passer. Non! Je... On va aller faire carotin vite fait. Vous allez voir à quelle vitesse on va l'avoir grâce à l'étoile. On va en essayer un pour vous montrer ce que ça donne. Mais c'est utilisable que durant un niveau. Voyez, je peux faire ce mouvement à l'infini. On a découvert un passage secret grâce à ça. Vous voyez, en l'occurrence là, techniquement, je n'aurais même pas besoin.
Oui, tout est si facile avec ça. Hop là. Là, il nous suffit juste de passer comme ça pour tout esquiver. Vous voyez, là en plus, normalement on doit attendre qu'il nous lance tous les trucs. Ben, on va le faire comme pour le premier, regardez. Vous voyez? Donc, et puis seulement maintenant, je pourrais le taper. Mais grâce à cet objet, déjà, je n'ai aucun risque à avoir quand il est en train de se secouer. Enfin, de sous sa forme tortue, mais en plus, je peux passer au-dessus pour aller l'assommer. Mais normalement, ces gadgets-là, je les garde pour avec Bowser. Mais maintenant que je fais ce château-là, je me dis, parce qu'en temps normal, j'ai dû sur ce. Ah, j'ai perdu mon. En temps normal, j'ai dur sur ce niveau, mais avec cet objet, bah, j'ai eu super facile. Bon, dans tous les cas, c'est la fin de cette partie pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, et n'oubliez pas aussi de vous abonner, bien sûr, de laisser le pouce bleu. Dites-moi seulement, parce que vous allez le voir tout de suite, quel monde vous voudriez que je prenne? Parce que j'ai un choix entre deux mondes. Donc je vais vous le montrer. Donc ici, il y a le monde sorbet en haut ou la mer Mantelot en bas. Donc choisissez et dites-le-moi dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Glacio. Ciao!